Avertissement. Si tu es un enfant, demande à tes parents si tu peux écouter ce contenu. Si tu es un baby boomer, demande aussi à tes enfants si tu peux écouter ce contenu. Cette émission peut contenir des propos engagés, des mots grivois et de la nudité de marionnettes. Oh nice! Évite ce contenu si tu as un pacemaker, si tu es épileptique ou si t'es juste une belle-mère facilement outrée. Yeah! Miam, miam, un beau choupi! Oh, délicieux jeudi vidange! À soir, manoir, on se fait un vin et sécheuse! Ah, oh, toi, tu sais parler aux femelles! Oh, désolé, j'ai déjeuné un garde-vaisselle à matin. Aucune idée pourquoi ça passe pas. C'est pas toi, Manoir. C'est Manotif Marketplace. Ah, là, j'espère que t'essayes pas de vendre notre beau matelas taché. J'ai d'y mettre une famille de punaises. Non, j'ai dit à plein de monde que j'allais leur acheter de quoi, puis je me suis jamais pointé. Ah, barbe, t'es tellement beau quand tu parles. Tu sais, si on veut que Marketplace reste une place de débiles, ben, il faut y mettre du sien. Oh, je sais bien. Tu fais tellement pour la communauté. Bon. Ah, tu me fais ovuler. Les humains, je vous trouve tous dégueulasses. Dans un océan rempli d'étoiles, une petite planète remplie de plastique. Un couple des US est chassé pour désordre public. À côté, un pays étrangement trop gentil. Et un village accueillant rempli de mal-aimés. Le fils illégitime de Donald Trump, une expat jeune du Kentucky, un ado à la moustache molle non genrée, un enfant génie de 8 ans, une fun amie qu'ils veulent garder, un lecteur de nouvelles pétées, une sirène pas chic, un gros arnaqueur, une conspi, une fée pas de face. Voilà le village de la don! Pour le souper romantique. J'ai goût de me faire vomir pour le remanger encore. Bon, j'ai juste pris une recette de je mange pas trois fois par jour. Es-tu bonne, elle? J'ai mangé toutes ces livres. Yep! Puis es-tu belle de la face? Tu trouves pas qu'elle me ressemble? Belle, maintenant toutes les filles ont la même face. Ouais. Yo, les Greta! Tu veux plus de poubelle puis le zéro déchet? C'est des mots que tu comprends? Ben, j'ai la solution écolo parfaite! Le Master Burger de Master Chef! Peu importe le cossin! Le Master Burger de Master Chef! Le brûle pour toi! Fini! Gardez tes affaires lettres qui prennent de la place puis qui t'empêchent d'acheter d'autres affaires lettres! Avec le Master Burger de Master Chef! Bye-bye. Ça a chiré au Costco dans l'allée du milieu, pis t'as tout acheté. Pas grave. Qu'on lisse tout ça dans le Master Burger de Master Chef. Parti. Oh my God, Belle. Tous ces délicieux déchets. On pourrait nourrir l'Afrique avec ça. Les Greta, ils ont pas de cœur. Ta blonde dégueulasse a acheté des pyjamas de Noël qui matchent pour toute la famille. Pas grave. Qu'on lisse tout ça dans le Master Burner de Master Shield! Damn, ils vont jusqu'à brûler des repas de Noël! Oh! Je sais plus quoi faire avec les 12 astis de poche-pop que tes kids t'ont fait acheter! Pas grave! Qu'on lisse tout ça dans le Master Burner de Master Shield! C'est ba-ba-ba-ba-ba! OK, les fils se sont touchés! Il est arrivé un petit accident à chasse! Pas grave! Cause-toi pas la tête à trouver un lac, un bateau du ciment puis un alibi! Collisse-le dans le Master Burner de Master Ship! Ça marche! Je l'ai essayé! Oh my God! Brûler des déchets! Mais où s'en va le monde, Belle? Où? Où? Faut que les riches goûtent à leur poubelle pour voir comment c'est bon! Ils mangent des raisins de braves! Sont capables! Super facile to use! Check! Tu mets le cossin de marde que t'aurais pas dû acheter online ici? Après, tu pèses ici? C'est facile, hostie! T'as un cossin de flamme! Boum! Parti! Les riches! Comment tu veux qu'on lui parle? M'ont pas été obligé de parler comme un gars qui sait lire toujours? Bah! Il faut apprendre leur langage! Cépage! Zucchini! Rapini!
OK. S'il y a une chose qu'on sait, c'est que les véganes aiment les goûts amers. C'est vrai ça. C'est le slogan du Rachel Berry. Ils vont tous se pitcher si on leur dit que ça goûte la mangeoire à Wizzo. Puis ton bonheur existe pour seulement 8 paiements faciles de 190 pièces. T'en prends 7? Ben 8e, bien gratis! C'est ça, du vegan? Oui, le vegan, c'est des poubelles. Mais là, c'est parfait. Les Greta sont toutes des véganes. Puis du vegan, ils en mettent partout. Je le sais. Même Aldo dit qu'il en met dans ses souliers. Oui, vegan, mais pas flat. Oh, OD, ça connaît tout. C'est eux aussi qui m'ont dit pour le savon sans gluten. Sinon, je serais morte. Je sais bien, t'en bois un gallon à l'heure. Fait, dépêche-toi, si tu veux pas que l'offre parte en fumée. T'as pas dessus. Aucun échange ni remboursement facile. Nous ne sommes pas responsables si vous finissez dans un combat avec une épée en mousse déguisée en chevalier à bicoline ou en arrière des tam-tams. Favorise aussi l'infertilité et accélère la myopie. Peut donner l'envie soudaine d'inviter sa belle-mère ou d'aller manger dans le Subway. Oui, manger à une table du Subway. Genre, non, non, j'ai dit, mets-le pas dans le sac, je vais manger ici. Vraiment dégueulasse! Oh, mon amour, on est tellement bien à pêcher dans le silence, hein? Mm-hmm. Pas obligé de faire la conversation, pas obligé de jaser de la température, juste relaxer en silence. Mm-hmm. C'est ça, là, le namasté. Mm-hmm. Ça, là, ça, ça s'en dit long quand on peut rester de même en silence à quelqu'un. Mm-hmm. Tu sais, le silence, c'est tellement important pour se reconnecter avec soi. Hein? Faire le vide en silence. Mm. J'ai pensé que comme ça fait un bout qu'on est ensemble... Oh non, merci! Allô, les pop-up! Allô, la mouette! Ça va, JC? Pis toi, Lucie Duhem? Correct, correct. Pis, des potins dans le village? Oui, monsieur. Ta blonde couche avec Yolande. Pis Belle et Barbe se partent une business de galettes en plastique vegan. Que quoi? JC, je suis désolée. Pas vrai. T'es arrivé rien qu'une fois au chalet. Pas vrai. Impossible! Une business de merde! Sans moi? Ben, moi qui mange toujours des vidanges, je trouve que ça me fait une option santé. Pis ils m'ont même pas demandé conseil. Donc, voyons fourrer le monde, c'est ma passion! Y'a jamais un Aspin qui m'a pas appelé! C'est bien! C'est dur de pas fourrer tout le monde! Si, Jacinthe-René, c'est tout moi, ça! Je sais bien! Même ceux qui roulent t'appellent! Aurais du puits, j'étais assez vieux pneus dans la rivière! Avant que j'utilise d'en faire sa fondation! Honnêtement, JC, pour vrai, là, j'ai même pas bougé! Pas vrai! Là, je suis vraiment plus tiki-dou! Regarde comme j'en ai vendu du faux produit contre la perte de cheveux! Ben oui, ça se voit! Puis je performe dans le faux bio! Un yogourt de feuilles vertes ou de petites grenouilles, puis hop! Ça se vend 20$ de plus quand c'est écrit équitaire! Oui, JC, oui, changeons de sujet. Parlons de la terre! T'sais, c'est normal, hein, que le climat y change. Il faut juste s'adapter comme les dinosaures ont fait. Ah! Une conne! Bon, ben allez radoter ça à tout le monde! Bye! Bye, la mouette! Bon, là, ça suffit, Lucie Duhem. Faut que ça change! Oui, je vais changer, JC! Pas vrai que le monde va me crosser sur mon propre territoire! Oh non! Je suis pas type! Oh non! Aux nouvelles ce soir, la Chine prend plus nos déchets. Oui, c'est le temps de paniquer. On va être pogné avec nos poubelles. Inhumain. On peut plus payer les Chinois pour qu'ils partent avec nos cochonneries en bateau. Puis là, je sais ce que vous vous dites. Oh my God, on va voir nos déchets. Inacceptable. Table. Là, je m'adresse au gouvernement. C'est quoi, hein? On gère notre merde, c'est ça? Kevin? Quoi? On fait des piles de sacs de vidange sur nos balcons? Kevin, techniquement, t'as pas de balcon. T'habites dans le sous-sol de ta mère. Ta gueule! Là, c'est pas vrai que c'est moi qui veux trier ma propre merde. Puis aller porter ça moi-même devant le buffet chinois. Kevin... Je paye des taxes, moi! C'est pas vrai que je vais commencer à composter. Je suis pas fermier! Calvaire. Oui. Les enfants, votre mère a un plan! Ah non! Moi, je fais plus d'ennuis les femmes! Fi!
fini le tout nu. Là, on va vendre des galettes de plastique au Rachel Berry. Oui! Les riches vont découvrir le bon goût de leur poubelle. On va leur blender du stock vegan pour en faire des petites boulettes qui vont sauver la planète. OK, mais c'est quoi du vegan? Un mot chic pour dire du plastique. C'est vrai que c'est une première ici, hein? Vider l'économie circulaire, c'est pas cool. Bon! Mais ça décourage pas la surconsommation. Ah, cuillère! On peut pas sauver tous les dauphins, OK? Non, mais on peut empêcher les riches de brûler leurs déchets. We are the world! We are the champion! We are the world! We are the champion! Ah, Michael Jackson! Maman! C'est bon tes boulettes, mais il y a des petits morceaux durs. Je pense que je me suis pété 3 molaires. Ah, c'est pour donner le feeling du quinoa. OK. Puis le truc qui fait squish-squish, lui? Ça, c'est pour donner le feeling du tofu. Yep! Sont drôles, les Greta. Ils décident d'arrêter de manger du poulet, puis la première affaire qu'ils font, c'est assaisonner le tofu pour que ça coûte quoi? Le poulet! David, move on ou move on pas! Contre la cruauté animale, mais le goût du tofu, lui, il est cruel! OK, mais là, vos blenders, ils vont devoir rouler jour et nuit? Qui va rouler ça? Les petits Chinois. Bah! Bon, cuillère va choquer parce qu'on veut y léguer une entreprise familiale. Ouais. Maman, je pense avoir dit ça. Mais non, mais non. Produit pour les mères, savon naturel et coach périnatal, bonjour! Bonjour, j'ai acheté ton savon là, à base d'algues du Grand Nord. Là. Puis là, j'ai des éruptions cutanées. Intéressant! Non, ça pique. Mais le côté positif, madame, c'est que tous nos produits sont entièrement faits de produits déjà utilisés! Hein? Arc, je veux être remboursée. Heureusement, c'est impossible! Tous nos produits sont non remboursables, puisqu'ils sont faits de produits déjà utilisés! Quoi? Par contre, je peux vous donner un rabais sur notre cours de rééducation périnatale. C'est simple, je regarde ton pelvis, puis j'y dis ma façon de penser. Pardon? Puis tu sais, si vous avez pas de bébé, ben j'en fournis aussi. OK, je veux parler à ton superviseur. Bon, tout va bien, Karen. Je suis le superviseur, mais je suis pas disponible pour le moment. Je suis avec une cliente. OK, fais juste me passer quelqu'un plus haut que toi. Oh, mais avec plaisir. Je vous transfère en Inde. Vous parlez indien, right? Tikidio! Oh! Coucou, les petits Saint-Maux! La fais pas de face! Non! Je travaille! C'est pas un bon temps pour finir notre game de Donjon Dragon! Ah! Mais moi, j'ai juste entendu quelqu'un qui a besoin d'aide. Tu veux faire un petit peu horrible, mon Jesse? Rien contre toi! Mais la dernière fois que tu m'as aidé, j'ai fini en prison! Tu dis ça comme si ça m'intéressait. Hey! C'est pas cool, la prison! Pas possible d'avoir des belles permanentes! Comme tu veux. Mais tu sais que je peux faire disparaître tous tes mauvais reviews pis toutes tes crosses. Oh! Genre comme t'as fait avec Aquafina qui est de l'eau du robinet? Yep! Comme tu as fait avec le fromage Petit Québec qui est fait en Ontario? Tadam! Oh! Je fais tout disparaître. Tu sais, Nicki Minaj qui était conspi? Ben, ni vu, ni connu. Impressionnant! Tu te souviens qu'Anthony Cavana, Caroline Néron, Paris Hilton, Laurent Paquin, même Denis Lévesque ont fait des albums de chansons? Non! Oh, wow! Tu sais, je peux aussi faire disparaître des inconduites sexuelles. OK, wow, je vais faire un vœu, mais cette fois-ci, je te donne pas mon rein, OK? Une cornée? C'est sûr, ça me prend quelque chose, hein? Tu sais, JC, c'est pas facile de calmer des marrants tabarnak sur Facebook. Écoute, ma blonde doit se faire pardonner. Je pense qu'elle serait game. Super, vendu! Un numéro 4 extra maillot pas de reliche! Wonderbra de Calabra! Wow! Wow! Tout le monde s'arrache tes produits de marde. Pis ta blonde de pyjama. Ah! Oh! Bon, parlez-moi pas de surconsommation pis de pollution. M'en calisse! Pis on fait quoi, pis d'iPhone? De la lecture, du yoga pis de l'introspection? Kevin! Ta gueule! Bon, pour se choquer avec moi, l'intraterrestre né de nos vidanges. Bonsoir, Kevin. Merci de me recevoir. Là, on va pas retourner en 1800 pis vivre avec rien qu'une paire de bobettes. Si je peux plus dépenser mon cash, je vais faire quoi avec? Le placer? Ben... Oh, regarde-moi! M'a pas m'essuyer le trou de cul avec des guenilles juste pour sauver 2-3 boulots! Mais on peut parler de gaspillage alimentaire. Non! Choque-toi! Savais-tu, Kevin, que 550 tonnes de bananes sont jetées chaque jour? Fuck les bananes! Juste en épicerie. Si on arrêtait de jeter de la nourriture, on pourrait sortir les gens de l'insécurité alimentaire. Ben là, ça leur prend juste un coupe-faim. Je recommande la colombienne! Ah!
Juste en restauration, au moins 30 000 repas sont jetés par semaine. Oh, c'est pas vrai que m'en repartir du pacini avec mon doggy bag de pauvre! OK, alors parlons aux jeunes familles. Non, fuck les familles! Juste en réorganisant bien son frigo, on peut du coup mieux conserver les aliments. La majorité des ménages sauveraient jusqu'à 2 000 par année. C'est le prix d'un voyage dans le sud. Ouais, avant la pandémie, hein? Ce qui est important, c'est de comprendre que la nourriture, c'est précieux et de ne pas la gaspiller. Du coup, moi, je réchauffe pas mes restants de la veille. Dégueulasse! Kevin, c'est ta mère qui te fait manger. Parle pas de ma mère! Je l'aime, moi! Et là, depuis ma naissance, OK? À même, avec ou sans poudre, si elle était pas là, je dormirais tout seul, OK? Tout seul! Ah! Demain, c'est jeudi vidange, pis les blenders ont toutes pétées. Bon, encore un autre! Parce que c'est du feu dans l'œil. Honnêtement, personne va le remarquer. Ça serait pas-tu des blenders? Non. C'est le modèle le sauve pas. Mais là, les gens font la file pour nos galettes véganes depuis que j'ai écrit « équitable » dessus. On a doublé nos ventes. Équitable? Ben oui, c'est équitable quand les pauvres se revengent sur les riches. On est des Robins des Bois! Pour les riparis, on peut peut-être passer 6 heures à regarder des tutoriels. Il y a peut-être des débiles qui en vendent aussi sur Marketplace. Oh, laisse faire. Amazon m'en propose d'autres pour moins cher. OK. Sérieux? C'est ça, sauver la planète? Bon, Steven Guilbeault, t'as une autre solution pour sauver notre business de marde? Oui, faire faillite, puis attendre que P.A.D.O. vous fasse une offre. Oh! Nice! Allô? 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 Allô, Pierre-Carles? Non, c'est Jessie. C'est Belle des égouts. J'ai dit non, je les signerai pas, tes bobettes sales. Oui, on a une bonne proposition de business comme t'aimes. Non, merci, je veux rien savoir de tes business de revente d'organes. Promis, tu vas perdre du cash! Ben oui, cette grande passion que tout le monde a, perdre du cash. Ben oui, c'est une business de marde. Tu dis ça comme si t'étais surpris. Wow, tu lis dans mes pensées. Oh, coquin, Pierre-Carles. Jessie. Hey, c'est-tu correct si je t'appelle PC? Non, pas de PC. OK, calme-toi, là. À ton âge, c'est pas bon pour le pacemaker. C'est parce que je viens juste d'avoir 30 ans, là. Anyway, l'idée, c'est qu'on a plein de blenders, puis là, on a fait des galettes vegan avec du plastique. C'est dégueulasse. Oh non, c'est délicieux. Super, ben bravo pour tes business de galettes en caoutchouc. Ah, merci. Maintenant, tu m'appelles plus jamais ici. Oh. Fini de me suivre en char la nuit, fini de m'appeler la nuit, puis fini de venir sentir mes affaires sur la corde à linge, c'est clair? Ah! OK, bloquer un numéro. Ben voyons, elle a raccroché. Faut que je rachète du pauvre de Cayenne. C'est toujours pareil, Iris. Tu leur proposes une idée pour sauver la planète, puis hop, ils décollissent dans l'espace. Ben, tes yeux aussi. Je pourrais mettre de la boulamide dans les fenêtres. Ba 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 ba